Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Alors aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui. L'antisémitisme a toujours accompagné le judaïsme, mais il a changé de, de forme, il a changé de nom au cours de l'histoire. D'abord, il a été local, euh, qu'on se souvienne de l'antisémitisme des, des Égyptiens, par exemple, ou bien de celui des Romains. Mais ensuite, il s'est généralisé avec le, le christianisme, il y a... Un anti-judaïsme euh, chrétien. Et puis, il y a eu évidemment l'émancipation des juifs avec la Révolution française. Et c'est là euh, que l'antisémitisme proprement dit est apparu. Et puis, il y a eu évidemment euh, la Shoah, il y a eu la création de l'État d'Israël. Et on peut dire que euh, l'antisémitisme s'est plutôt appelé euh, antisionisme. Alors, une question se pose pour nous aujourd'hui. Depuis ce que j'appellerais, faute de mieux, le pogrom du 7 octobre, quel nom donner à l'antisémitisme qui est apparu à ce moment-là? Voilà, c'est une vraie question et nous allons voir ça avec notre invitée, Madame Vivorka. Bonjour. Bonjour. Même s'il ne faut plus vous présenter, euh, rappelons donc que vous êtes euh, historienne, directrice de recherche émérite euh, au CNRS, et que vous êtes une spécialiste euh, mondiale de la Shoah. Vous avez publié euh, autant de livres qui ont eu un grand succès. L'un des plus connus s'appelle Auschwitz expliqué à ma fille. L'ère du témoin, le moment Eichmann, et tout récemment, Tombeau, autobiographie de ma famille. Sans oublier euh, un petit bijou, je trouve, qui est un récit très personnel que vous avez intitulé Mes années chinoises, et dont nous pourrons peut-être parler en fin d'émission. Donc, je vais vous poser la. Première question. Euh, je pense euh, en particulier à Tombeau, qui est votre dernière publication. Et vous devez dire à ce propos que euh, la décision d'écrire commence avec le décès de, de votre tante Berthe, qui est décédée sans enfant. Et euh, je me souvenais que dans Auschwitz expliquait à ma fille, vous citez cette très belle phrase de, de Paul Celan à propos de, des victimes de la Shoah. Il dit, vous avez une tombe au creux des nuages. Et je me suis demandé si au fond, euh, au-delà de l'autobiographie, c'est-à-dire qui est, qu est consacrée à votre famille, si d'une certaine façon, ces tombeaux, ces tombeaux littéraires, ne pouvaient pas concerner chacun de ceux qui sont morts euh, sans descendance parce qu'ils sont partis en fumée. Oui. Euh... Et je pense que dans le monde juif, on en a eu tout de suite conscience. C'est-à-dire dès, dès la destruction, euh, par exemple dans les ghettos de Pologne, euh, tout le monde écrivait. Et euh, il y a un nombre innombrable euh, d'écrits. Donc euh, l'idée du tombeau, c'est de faire un tombeau scripturaire, d'écrire, voilà. de façon à ce que ces vies... Cette vie minuscule qui a été celle de, de ma tante, dont la fille unique est décédée avant elle, donc pas de descendance, de façon à ce que ces, ces vies minuscules laissent une trace. Voilà. Et euh, cette question de la trace a quand même beaucoup préoccupé euh, les, les victimes de la, de la Shoah et euh, jusque dans les crématoires. Euh, ils ont laissé des, des écrits pour qu'on se souvienne. En quelque sorte, euh, l'idée qui a prévalu, surtout euh, en Pologne, dans les ghettos, Lodz ou Varsovie, l'idée qui a prévalu, c'est que le peuple allait disparaître, mais qu'il ne fallait pas qu'il disparaisse de l'histoire. Voilà. Et que la seule façon d'empêcher qu'il disparaisse de l'histoire, c'était l'écrit. Ça, c'est vraiment précieux que vous puissiez le dire comme ça. Alors, vous remarquez souvent combien la question de l'antisémitisme et plus encore de la Shoah porte aux limites de l'indicible. On peut parler du comment, on peut décrire le comment, mais on reste sans mots dans le pourquoi. D'ailleurs, dans Auschwitz, expliqué à ma fille, vous avez cette phrase, Auschwitz, dit écrivez-vous, reste largement inexplicable. Oui, on peut... Euh quand on travaille comme mmh. moi et puis euh, de très nombreux collègues, oui. on peut approfondir sans cesse les, tous les mécanismes, tout. Là, je viens de lire un manuscrit euh, sur les silences de Pidouze, mmh. euh, écrit par une, une jeune historienne, Naval Bousquet, euh, qui a la première pu étudier les archives qui viennent d'être ouvertes au Vatican. Donc plus ça va, plus la connaissance s'accumule. Mais à un moment donné, on bute sur quelque chose. Et on bute sur une compréhension, une vraie compréhension de, euh, de l'antisémitisme nazi qui est que l'on doit éradiquer ce peuple, non pas du territoire où il habite pour prendre le territoire. J'ai envie de dire que toute l'histoire est faite de ce genre de choses. Mais euh, on va chercher anne Frank à Amsterdam, on va chercher euh, Simone Jacob, Simone Veil à Nice, on va chercher Imkertesh, prix Nobel de littérature, mm -hmm. mais qui était un, un ado, comme on dirait aujourd'hui, en Hongrie. Donc qu'est-ce que c'est que ce mouvement que, que, qui, qui, qui va aller chercher des bébés ou des vieillards aux quatre coins du monde sur lequel il a la main mmh. pour les conduire dans ce lieu euh, invraisemblable mmh. qui est euh, Schwitz-Birkenau. Et ça, ça échappe à une véritable compréhension. Et je dois avouer que quand il m'arrive de toucher de nouveau cette question, je reste toujours. Sidéré. Il y a peu de choses à. Enfin, on n'arrive pas à comprendre. Mmh. Même si on en sait de, de plus en plus. C'est vrai que. Enfin, moi, je suis frappé par ça, que, que vous isoliez ce point qui est absolument en effet incompréhensible qui est l'indicible mais aussi l'incompréhensible il n'y a pas de signification il n'y a pas de compréhension et alors moi il y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans ce que vous écrivez euh, c'est la séparation plusieurs fois dans, dans, dans vos ouvrages vous revenez sur ce point de la séparation alors évidemment il y en a une majeure, c'est la solution finale. Il fallait, comme vous venez de, de dire là, euh, euh, se séparer radicalement, définitivement des Juifs. Et donc euh, Hitler pense la solution finale. Mais il y a une autre nuance. Qui, qui m'a, J'ai trouvé le trait précieux où vous dites au fond pour les chambres à gaz, euh, y a on peut dire beaucoup de choses sur les chambres à gaz en particulier, vous le mentionnez bien sûr que c'est la production industrielle de la mort et donc <coughs> quelque chose de radicalement nouveau mais vous dites aussi il fallait que la victime et le bourreau soient séparés. Parce que sinon, les, les pauvres bourreaux, enfin c'est moi qui ajoute pauvres, mais les pauvres bourreaux auraient été, se sentiraient beaucoup trop coupables. Et alors, le système de chambres à gaz qui les éloignait, c'était beaucoup mieux. Absolument. Euh, la, la solution finale, si on la définit comme les nazis, l'éradication des juifs d'Europe, la destruction des juifs d'Europe, elle ne commence pas par le gazage. Alors bon, elle commence pas beaucoup de choses, mais disons que l'acte de tuer en masse commence à l'arrière de l'armée allemande de la Wehrmacht quand elle rentre en Union soviétique par ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, les groupes mobiles de tuerie. Et ils font donc creuser des fosses et euh, ils, euh, ils, euh, ils, ils, ils fusillent. C'est la par à Oui, je ne suis pas fanatique de ah, cette expression, mais bon, utilisons cette expression. <laughs> D'accord. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que pour les les SS qui euh, qui, qui, qui qui fusillent, euh, ils se sentent pas si bien que ça. Euh, il y a une grosse consommation d'alcool et c'est Himmler qui s'inquiète du moral et de la morale de ses troupes SS. Et c'est cette invention qui est de tuer sans jamais mettre la main. Directement euh, sur la victime. Et euh, c'est d'abord euh, l'utilisation de camions à gaz oui. dans le premier grand centre euh, de mise à mort qui est euh, Renault, euh, pas très loin de, de Lodge, d'Ismenstadt. Et euh, l'avantage, entre guillemets, c'est effectivement cette séparation, cet éloignement. Et ce sont toujours les nazis qui donnent la mort, mais dans cet éloignement, on confie aux juifs le soin de traiter les cadavres. Donc finalement, euh, on pourrait mmh. presque dire qu'il y a peu de contact entre le corps du bourreau et le corps de la victime. Alors, euh, je trouve très précieux les, les, les indications que vous nous donnez, mais euh, par rapport à cette question, je me disais au fond, puisque je relevais euh, que vous avez été préoccupé par ce problème de la séparation au point de nous donner des notations inédite, moi je l'ai lu chez vous, je ne crois pas l'avoir lu ailleurs, donc je trouvais ça d'autant plus précieux, mais je me disais au fond, est-ce que... Euh, évidemment, je, je pense à ce que Lacan a pu nous enseigner, mais est-ce qu'on n'aurait pas là quelque chose à trouver qui soit une séparation, qui ne soit pas une ségrégation S'il y a une nécessité, en effet, de trouver une certaine séparation d'avec l'autre dont on se sent différent, menacé, enfin bon, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser qui ne soit pas uniquement sous cette forme des camps, qui est vraiment où c'est la ségrégation à n'en plus finir Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver quelque chose qui serait un peu... Euh, Différents séparation, mais mais pas ségrégation. Est-ce qu'il n'y a pas euh, une autre solution euh, qui pourrait euh, satisfaire et qui évidemment ne serait pas meurtrière comme ça Je ne suis pas sûr de comprendre euh, tout à fait, mais dans le nazisme, il y a eu d'abord la ségrégation. Oui, voilà. Voilà, d'abord la ségrégation sous euh, de multiples formes. Euh, la forme la plus euh, facile. À, à imaginer c'est celle des ghettos. Oui. Est-ce que c'est que le ghetto sinon des espaces séparés pour la population juive et pour celle qui ne l'est pas. Mais euh, on peut dire que dès l'arrivée euh, des, des nazis en, en Allemagne euh, tout vise à séparer euh, les juifs. Oui mais c'est une, une, les... une ségrégation. c'est une ségrégation. C'est une ségrégation et euh, il y a eu beaucoup de débats dans, dans les années 80, 1980 du siècle dernier, il ne faut pas oublier qu'on a changé de siècle, là, pour savoir si euh, la destruction des Juifs d'Europe avait été une intention de Hitler ou avait été euh, due au fonctionnement même de la machine. Et euh, les fonctionnalistes, ce qu'on appelle les fonctionnalistes, disaient ben voilà, il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas une intention de supprimer euh, tous les juifs, mais euh, par un certain jeu de de, de de la façon dont les choses se sont passées, ce, ce, les gens se sont retrouvés avec des juifs sur les bras dont ils ne savaient que que faire, et ils les ont, euh, et, et c'est là qu'a commencé euh, des initiatives locales qui ont été des initiatives d'assassinats massif. Alors aujourd'hui, on ne discute plus tellement de cela. Euh, parce que oui, mais c'est pas entièrement faux. cest à que Et on peut pas euh, douter de l'intention d'Hitler de se séparer définitivement des Juifs. Euh, l'intention d'Hitler au début n'était pas la n'était pas la, vous dites, la oui, solution vous les, finale. C'est-à-dire que oui. euh, l'idée, ça a été il y a différents projets oui. d'une réserve du côté oui. de Lublin, à Nisko. Il y a eu le projet de Madagascar qui était oui. de faire une énorme réserve juive à Madagascar. Euh, après la signature oui. d'un traité de paix qui n'a jamais été signé. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, euh, qui est un peu euh, compliqué. Mais euh, aujourd'hui, on remet l'accent sur l'idéologie. Et euh, j'aime beaucoup euh, euh, ce que dit le, un grand historien qui s'appelle Saul Friedlander de l'antisémitisme nazi. Vous avez énuméré euh, euh, tout à fait justement l'antijudaïsme, l'antisémitisme. Mais il y a quelque chose de nouveau dans l'antisémitisme nazi euh, que Friedlander appelle l'antisémitisme rédempteur. Et je pense que l'antisémitisme rédempteur, c'est il faut se débarrasser des juifs pour installer le Reich de Milan. Et la race ardienne, et, ouais. et je pense que ça, c'est une notion qui est. Très intéressante, parce qu'on la retrouve aujourd'hui dans, euh, dans l'attitude de certains mouvements ou de certains pays à l'égard de l'État d'Israël. C'est-à-dire cette idée que euh, tout irait mieux dans le monde si l'État d'Israël disparaissait. C'est ce que j'appellerais un antisionisme rédempteur qui est quelque chose de nouveau, qui est pour moi dans la lignée oui. du nazisme, oui. et euh, qui est quelque chose qui est une rupture mmh. par rapport à l'antisémitisme que j'appellerais classique, l'antisémitisme d'affaires Dreyfus. Enfin, de... Donc là, on a une rupture euh, qui fait que l'on peut penser que si les Juifs n'étaient plus là, ou si Israël n'était plus là, le monde tournerait mieux. Oui. <laughs> Alors, Alors, à Philippe, peut-être. Oui, oui le... on touche à cette question, mais autrement, dans le fond. Dans Auschwitz, s'expliquer à ma fille encore cet, cet ouvrage-là, vous notez qu'il y a eu deux guerres. Deux guerres, la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y en a en fait eu deux. L'une qui opposait les nations entre elles, et l'autre, écrivez-vous, celle des nazis contre les juifs. Absolument. Et les alliés se sont consacrés donc à la première, l'histoire. Peu ou pas du tout à la seconde, à la, à la guerre des nazis contre les juifs. Et donc la Shoah, est-ce qu'elle se serait donc déroulée dans l'indifférence générale C'est un peu euh, bon, ce est difficile dit de répondre rapidement. Mais euh, il est vrai que les, les alliés, le, les États-Unis et mm -hmm. le Royaume-Uni surtout, euh, avaient cette idée que la question, des, que la question juive, euh, finalement, à partir du moment où il y aurait la victoire des Alliés, il n'y aurait plus de problèmes. Sans anticiper que, euh, au moment de la victoire des Alliés, il y aurait plus de Juifs dans euh, certains pays d'Europe. Je pense notamment à, à, la, à la Pologne, par exemple, et à la partie euh, Occ... les républiques occidentales de de, de l'URSS. Mm -hmm. Donc il y a effectivement euh, à la fois euh, cette guerre et à l'intérieur de cette guerre, la guerre contre contre les Juifs. Mais je pense que enfin, en tant qu'historienne, il faut garder les deux récits, les deux intrigues, les deux mises en intrigue, mmh. parce que la guerre contre les Juifs n'est possible que parce qu'il y a l'autre guerre. On ne peut pas imaginer euh, Auschwitz-Birkenau euh, dans un monde euh, en paix. Mmh. Donc il euh, y a un lien et quand on regarde euh, un peu chacun des... Si on regarde un petit peu les, les différents épisodes, on s'aperçoit qu'il y a toujours un lien entre la conduite de la guerre, euh, notamment par les Allemands, et, et les, les événements euh, et entre de la destruction des, mmh. des Juifs. Donc on a... Si vous voulez, le, le, le problème, c'est qu'on a eu d'abord un récit qui était euh, un récit de la Seconde Guerre mondiale. Bon, moi, je pense aux travaux d'un très grand historien qui s'appelait Henri Michel, que, compte tenu de mon âge, j'ai. C'était ce que je lisais quand, quand j'étais étudiante. Il n'y a pas un mot sur les Juifs. Hein. Mm -hmm. C'est même pas un détail de l'histoire. Ça n'existe pas. Et puis ensuite, vous regardez le premier grand récit qui est fait de la destruction des, des Juifs, qui est le récit produit par le procès Eichmann mmh. et là il n'y a pas un mot sur la guerre donc je pense qu'aujourd'hui euh, il est indispensable mmh. de penser les deux mmh. et par exemple l'ouvrage consacré à la seconde guerre mondiale le de, de mon frère olivier oui. nous les deux donc je pense qu'aujourd'hui pour un historien il faut nous tu veux faire un récit général il faut nouer les deux mmh. Alors, c'est une vraie question, celle de l'indifférence. D'ailleurs, je pense que vous en parlez aussi dans Auschwitz, s'expliquer à ma fille. Que, comment est-ce que ça a pu arriver Pourquoi est-ce que personne n'a réagi Enfin bon, on se pose évidemment ces questions. Je crois que vous les évoquez. Alors, moi, évidemment, il y a une question que je veux vous poser, vous qui êtes historienne, qui, est, qui avez beaucoup travaillé ces questions. C'est justement comment nommer euh, l'antisémitisme d'aujourd'hui à partir de l'événement. Que j'appelle pogrom, faute de mots plus juste, le pogrom du 7 octobre en Israël. Il euh, y a là un événement avec un, un avant et un après. Et, un, me semble-t-il, vous parliez d'un antisémitisme rédempteur de, dont parle Friedlander. Euh, moi, il me semble que là, c'est manifesté un antisémitisme nouveau et pas seulement local, mais aussi euh, dans le concert de quelques nations. Et j'aimerais que vous nous disiez si vous, vous avez. Pensez la chose, si vous avez trouvé des mots plus, plus justes pour essayer de, de Alors, nommer ça. Le, euh, une des questions, c'est que les antisémitismes disparaissent pas. Voilà. Ce n'est pas une succession, euh, ils se nourrissent l'un de l'autre et ils se recouvrent. Euh, L'antisionisme comme antisémitisme... On peut dire, on peut presque dater son invention. C'est, euh, lors des procès, lors du procès de Prague, le procès Stansky, en 1952. 15 accusés, sur les 15 accusés, 11 sont juifs, à Prague. Procès, un, le dernier procès stalinien, hein, avant mm -hmm. la mort de Staline. Euh, qui est connu en France grâce à Arthur London, qui lui a eu la vie sauve, alors que les autres ont été euh, pendus. Là, ils sont tous accusés de sionisme et ils sont définis comme étant des sionistes. En 1952, c'est très difficile de traiter quelqu'un de, de juif. Le temps d'Hitler de, de, est vraiment trop proche. Et là, on a une, une invention langagière qui est géniale, puisqu'on ne désigne plus quelqu'un comme juif, mais comme sioniste. Et euh, dans les pays de l'Est, toutes les vagues d'antisémitisme, donc celles qui précèdent, enfin, avant la mort de Staline, le complot des blouses blanches, mmh. le procès de Prague, et puis les vagues ultérieures, notamment au moment de la, de la guerre des six jours, c'est jamais les juifs, c'est toujours les sionistes. Alors maintenant, par rapport à la situation d'aujourd'hui, d'abord, il faut quand même attirer l'attention sur la démographie. Le, les pertes de la Shoah ont été telles qu'aujourd'hui, on a à peine atteint le nombre de juifs qui vivaient dans le monde avant la Seconde Guerre mondiale. On est à 18 millions à peu près. C'est rien du tout, 18 millions de juifs dans le monde. La chose nouvelle aussi, c'est que l'Europe est pratiquement sans juifs. L'exception étant euh, notre pays euh, qui a, euh, disons, peut-être une population de 450 000 juifs, ce qui est moins de ce qui existait dans l'avant-guerre si on additionnait les juifs dans la métropole et ceux d'Afrique du Nord. Mmh. Aujourd'hui, et c'est aussi nouveau, la moitié de ces juifs vivent en Israël. Un juif sur deux, à peu près, un petit peu moins, 46%. Donc ça, il faut avoir cette conscience-là pour comprendre aussi euh, l'émotion qui, qui saisit. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre Un pogrom. Alors mon éminent collègue américain Omer Bartov dit c'est ce pas un pogrom et il argumente en disant c'est ce pas un pogrom parce que le pogrom c'est dans une terre en Ukraine ou autre on s'en prend aux Juifs sous la protection des autorités du pays donc bien évidemment les autorités israéliennes n'ont pas bien sûr. Euh, voilà bon. donc stricto sensu on peut dire qu'effectivement c'est pas tout à fait un pogrom le terme le plus exact pour moi, ça serait massacre. Mais, du pogrom, il y a des éléments. Euh, le pogrom s'accompagnait toujours de viols. Ce qu'on a eu massivement voilà. le 7 octobre. Ça, c quand même très Alors, je pense que oui. les mots en euh, euh, histoire, donc on peut toujours essayer de retrouver l'étymologie pogrom en russe, et pogrom, tout détruire. Mais, euh, c'est indéniablement un massacre. Et un massacre euh, accompagné de violences que je ne décrirai pas, que, que chacun peut. de violences inouïes euh, sur les corps, les corps des femmes, les corps des bébés. Et euh, c'est quelque chose de. Voilà, qui nous a tous sidérés et qui ouvre aussi une nouvelle époque. Et cette nouvelle époque. Elle se marque aussi par un retour quasiment à 1948, quasiment à la création de l'État. Ce qui me frappe le plus, c'est les slogans qu'on entend euh, Palestine euh, from the sea to Jordan. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Palestine Je veux dire en anglais, parce que c'est surtout sur les oui, campus oui, oui, américains. Oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, la Palestine de la mer Mais au, au Jordan, Jordan ouais. Ça veut dire hein. la disparition de l'État. Serait... La, la disparition d'Israël. Et euh, cette disparition d'Israël étant euh, conçue comme quelque chose qui ferait que le monde irait mieux. Donc euh, moi, je jamais compris comment les problèmes des banlieues ici euh, iraient mieux. Je vais raconter une petite anecdote. Euh, la semaine dernière, je vais à Belleville. Je sors du métro et je vois des drapeaux palestiniens. Je m'approche. C'était devant le siège de la CFDT. C'était une manifestation de sans papiers qui demandait l'appui de la CFDT pour obtenir des papiers. Qu'est-ce que ça a à voir avec le drapeau palestinien Rien. Sinon que petit à petit, le Palestinien est devenu la figure de la victime et que euh, tout le monde veut être le Palestinien dans quelques revendications que ce soit, y compris pour euh, des, des personnes qui viennent euh, des pays d'Afrique subtropicale et qui veulent obtenir des papiers. Donc on a oui. une situation qui est nouvelle. Et euh, quand on a suivi un peu... Euh, euh, bon, moi je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du, oui. du sionisme d'Israël. J'ai quand même suivi cette histoire de près. Je me souviens quand les discussions pour obtenir de la charte de l'OLP la reconnaissance de l'État d'Israël. Et là, on a l'impression qu'on revient... Alors, euh, je, on, on revient on va, à 48. À je, 1950, je vous remercie. On, 47, va pas, on va pas tarder à, à conclure, mais je, 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 mm. je remarque juste qu'on a un peu glissé entre le, le pogrom, le massacre du 7 octobre, ouais. qui était euh, d'un groupe terroriste euh, Hamas. On est passé aux Palestiniens. À mon avis, il y a sans doute intérêt à, à différencier les, les deux. Bon. Peut-être on n'a pas encore le mot pour l pour dire l'antisémitisme qui, qui qui est nouveau. Tout, tout, chacun de nous l'éprouve, mais peut-être peut-être ce sera l'occasion de vous. Voilà, moi j'aime bien l'expression antisionisme rédempteur. Bon, il c'est alors on va, une bonne expression. on va garder ce mot voilà. ce mot là. Comme nous avons encore quelques minutes, j'aurais bon. une question peut-être plus personnelle euh, à vous poser à partir de votre livre justement mes années chinoises. Comme au début de votre âge adulte, au début de votre vie de femme, vous, vous allez plusieurs années en Chine et vous, et vous racontez tout ça dans ce livre et vous terminez par une note assez saisissante où vous parlez de votre culpabilité d'être allé en Chine. Vous qui avez dont la famille oui. a disparu dans les camps. Vous expliquez que vous avez été au début de votre, de votre vie dans, cette, voilà. j euh, été, dans ce euh, gigantesque camp. Bon, moi je suis né la même année que l'État d'Israël. Mmh. Donc en 68, mmh. j'étais dans ce mouvement très loin d'être seul. On était presque toute une génération. Et, euh, et euh, je me suis retrouvé dans les rangs des maoïstes. Et euh, peut-être parce que je suis un peu extrême, je suis effectivement allé enseigner deux années en Chine, c'est-à-dire les deux dernières années de la révolution culturelle. Et euh, je me sentis très coupable d'avoir coopéré. Alors, bon, ma culpabilité depuis a disparu, mmh. hein, euh, Dieu merci. Ouais, Mais bien. je me sentis très coupable parce que je me suis dit, voilà, moi, qui, dont l'histoire familiale mmh. que je raconte dans ton ouais. a été tellement saccagée par... Le nazisme par un totalitarisme. Oui. J'ai comme ça été séduite par un autre totalitarisme. totalitarisme oui. Et je l'ai en quelque sorte, j'ai en quelque sorte coopéré. Alors maintenant, euh, je me dis. Euh, ben, J'ai appris le français à des étudiants chinois. Il y a quand même pire comme, euh, oui. comme, euh, comme collaboration. D'autant que grâce à ça, ils ont, sont tous devenus aujourd'hui euh, millionnaires. <laughs> voilà. Donc, euh, ils ont fait partie de ce mouvement de, 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 de ce nouveau capitalisme socialiste. Mais euh, c'est vrai que. Euh, oui. L'idée que j'avais, c'est aussi qu'il fallait mettre en garde, mais. Euh, les expériences des uns ne servent pas beaucoup à aux mm -hmm. générations suivantes. Bon, bon, en tout cas, un grand merci, merci euh, de nous merci avoir moi. accordé ce temps. Merci. Et nous allons passer à notre deuxième séquence qui est l'écho de la culture. Et euh, nous allons recevoir Brigitte Jacques Vageman, metteuse en scène bien connue, et en particulier pour sa mise en scène aujourd'hui de, de La Mouette et qui reprend à Paris et qui va partir en tournée. — Brigitte, bonjour. Brigitte Jacques-Basman, c'est un grand plaisir de, de te recevoir. Alors ta carrière est tellement formidable, extraordinaire que la présenter brièvement on va être réducteur et je te prie par avance de, de m'en excuser. Alors, je crois que tu as monté plus d'une cinquantaine de pièces, je ne peux pas pouvoir les citer tous, mais de mémoire au fond, celles qui, comme ça, qui sont venues tout de suite à ma mémoire, c'est bien sûr, il y a l'éveil du printemps, il y a Elvire Jouvet, Pompée, euh, euh, Tartuffe, Angel in America, bon, et puis maintenant euh, celle pour laquelle tu, dont tu vas nous parler, qui est la, la mouette de, de Tchékov. Alors, tu as été aussi comédienne avant d'être metteuse en scène mmh. et aussi élève d'Antoine Vitesse. Mmh. Première question toute simple est-ce que euh, ton intérêt pour la mouette commence avec mmh. cette rencontre euh, euh, avec Antoine Vitesse quand, quand tu as joué euh, Nina, je crois Oui, non. Non, non. <coughs> J'ai ai aimé euh, Tchékov très vite, très tôt, et <coughs> toujours pensé que c'était immense, enfin, voilà, ben, un continent immense comme ça. Et, euh, et j'étais évidemment très très heureuse qu'Antoine que Vitesse me, me, me propose ce rôle. On avait travaillé sur d'autres choses avec lui avant. Il était en effet mon, mon, mon professeur. Je, je, je l'aimais infiniment. J'adorais ce qu'il faisait. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la mise en scène euh, très vite. Et quant à Nina, on, on, c'est une première... Il a fait deux mises en scène de la Mouette, lui. Une première avec moi... Et puis, quelques autres acteurs, dont François Martouret, je me souviens ah bon, absolument, absolument. qui jouait euh, le jeune écrivain euh, Trepleff, okay. et, euh, et voilà. Et, mais on n'a pas beaucoup travaillé. J ai, j ai, il, manquait, euh, il manquait du temps de répétition, d'approfondissement, et il n'était pas très présent. Il a, il a fait une deuxième version, euh, plus accomplie, je pense. Euh, mais voilà. Donc, moi, je... Euh, je travaille avec des, des, des acteurs et j'ai monté beaucoup de pièces de Racine, Corneille, etc. Et, tout et la, la, ma troupe, si je, pourrais, je peux, peux les appeler Pandora. un peu comme ça, Pandora, ouais. me disait qu'ils avaient envie que, que je monte un Tchekhov et, et La Mouette en particulier, parce que j'en parlais beaucoup et je parle. Au, et très souvent aussi, Tchekhov euh, est un, un, un point de. Même quand je monte corneille, je parle de Tchékov. <laughs> voilà, Ça va jusque-là. Ça peut aller jusque-là, oui, pour, pour redonner un peu de, de vie à ce qui pourrait être quand même un peu angoissant, ces, 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 ces immenses tirades de, des acteurs, je, 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 des personnages. Et donc, je, je, je redonne aux, aux acteurs la possibilité, par le biais de Tchékov, euh, si vous voulez, de... De, voir, de les voir vivre, tout simplement. C'est la première fois que vous montez Tchékov, donc Oui. Oui, oui. Maintenant Oui, maintenant. Mais si vous voulez, je ne l'ai pas fait parce que tout le monde monte. Enfin, j'avais un peu ce sentiment. Je me disais, au fond, euh, je, je préfère travailler sur des chantiers un peu nouveaux. Et, et les corneilles que je montais, c'était des corneilles qui n'étaient jamais montées. Mm -hmm. Donc voilà. Donc ça, 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 me, ça me prenait. Mais la mouette, c'est une pièce absolument. Enfin, je trouve génial. Elle elle, elle 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 parle du théâtre, elle parle de l'art mmh. et de la justice et de l'amour. Et elle, elle 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 se demande d'une certaine manière, elle nous demande de, euh, comment raconter la, la vie d'une certaine manière. Si l'art peut vraiment s'emparer. De, de, de ce que c'est que la vie. À ce propos, d'ailleurs, dans votre euh, dossier, vous avez mmh. cette expression pour parler de Tchékov que j'ai trouvée très juste et en même temps, vous, vous entendre en dire plus, si possible, le tremblement de la vie, écrivez-vous. Vous oui. trouvez oui. ça une belle expression, on un sentiment que c'est vraiment ça, Tchékov, mmh. mais le tremblement de la vie, alors. Bah, Qu'est-ce que c'est, d'après vous Je sais pas, il ose il s'approcher ose des, des gens et le qui 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 a apparemment disent deux ou trois choses qui qui, qui les mettent met en danger à la fois de, de enfin qui montre comme ça leur subjectivité et leur euh, leur euh, leur douleur de vivre tout simplement ça, ça commence si vous voulez la mouette, c'est incroyable les gens s'installent et tout d'un coup on voit un personnage arriver qui dit qui voit une jeune femme habillée de noir et qui lui dit pourquoi êtes-vous toujours en noir et elle répond je suis en deuil, en deuil de ma vie, je ne suis pas heureuse. Donc déjà, le, le spectateur se dit Oula Là, je, enfin on, on est déjà très, très haut. Quoi. Et toute la pièce est absolument comme ça. C'est-à-dire, ce que, ce que les gens attendent de l'art, et d'une certaine manière, c'est une question que je me suis bien sûr posée, c'est qu'au fond, il, il y a une sorte de rédemption de leur vie ratée par euh, par. Euh, par des artistes. Est-ce que c'est possible Donc, par exemple, il y, y a plusieurs personnages qui disent Ah, j'ai une, une histoire pour vous. J'ai une histoire pour vous, écrivain. J'ai une histoire euh, et, et, et j'espère que vous en ferez quelque chose. Par exemple, et ça, ça c'est très beau. Aussi bien, le, il y a aussi un problème de génération. Il y a un, 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 un écrivain qui est très ar arrivé, qui est très connu, célèbre, mais qui, qui, qui ne s'aime pas. Euh, et on comprend pourquoi. D'une certaine manière, il dit qu'il sait, qu il sait, il sait, il sait parler des arbres, mais pas des hommes. Euh, il ne sait pas, et, mmh. et ça le bouleverse malgré le fait qu'il soit extrêmement connu et apprécié. Et puis il y a un jeune écrivain qui veut tout foutre en l'air et faire un, 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 un théâtre 19. absolument nouveau. Théâtre un peu son théâtre nouveau est un peu symboliste comme ça. Enfin, s'en manque un petit peu euh, Chekhov. Mais en même temps, ce qu'il fait avec la mouette, c'est que lui-même fait un théâtre voilà, nouveau. Ça. Il a une troisième voix, est ça. qui est pas la voix parce que la, la mère est une grande actrice, la mère de ce jeune écrivain, mais elle fait un tour de boulevard intelligent. Euh, lui, il veut faire des choses qui sont quand même très difficiles. Et, et là-dessus, on a euh, Tchékov qui est en train d'inventer un nouveau théâtre Alors, avec Stanislavski. Justement, moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot de, de, de ta mise en scène, puisque au fond cette pièce, mmh. on a ce qui arrive quelquefois dans, dans, dans des pièces, le théâtre dans le théâtre. Mmh. Bon, à Hamlet en particulier où on a aussi un moment comme ça mmh. très bon, ce qui est toujours un moment très important ou mmh. euh, une mise en abîme du, du théâtre. Je crois que les didascalies sont relativement importantes. Mmh. Alors, je voudrais que tu nous dises le parti que tu prends, mmh. justement, puisque le théâtre est au cœur même de la création, si je puis mmh. dire. Mmh. Quel parti tu as pris pour ta mise en scène pour pour faire passer ça. <laughs> Normalement, dans la pièce, il a, le premier acte se passe en effet sur un petit théâtre, ça. un petit théâtre de d'été qu'a construit ce jeune jeune écrivain où il, il fait jouer sa première pièce devant sa mère qui s'en moque et, et ça se passe vraiment très 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 mal. Mais euh, au deuxième acte, on est dans plutôt dans un jardin. Au troisième acte, on est dans dans, dans la maison euh, qui de 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 villégiature au Et au quatrième acte également, deux ans plus tard, ce qui est ce qui était déjà euh, étonnant. Euh, et moi, j'ai pensé que ce serait bien que le théâtre soit là toujours, que ce théâtre ce oui. petit théâtre qui est juste euh, qui a été fait avec de briques et de brocs, enfin comme ça, euh, un petit théâtre vrai en, en bois. Toute la pièce, il est là. Il est là. Oui, oui. Et donc en effet, puisque chaque, il y a une théâtralité de chaque scène qui se joue avec le théâtre en dehors du théâtre, enfin un jeu constant comme ça, jusqu'au moment aussi où le théâtre se détruit, se défait, les, les, euh, surtout euh, au dernier acte, parce que. Euh, parce que la vie est trop dure pour certains et que ça finit quand même par un suicide. Quoi. Mm. Euh, après, y a, voilà, après y a, plus je travaille dessus, parce on est en tournée, voilà. je, je, les, je, je travaille encore avec eux comme ça, plus je vois aussi une ironie chez, chez, chez Tchékov qui est presque drôle, comme ça c'est quand même quelqu'un qui a fait aussi des, des petites pièces extrêmement drôles l'ours, la demande en mariage, des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui traverse quand même aussi, malgré le l'enjeu le, le, subjectif, l'enjeu ontologique même, on pourrait dire, de, pour, de chacun dans cette pièce, c'est une drôlerie aussi qui se, qui se met en place. C'est ça que je, je cherche comme ça, que j'ai cherché et, qui, et qui, qui fait que quand même les, les gens qui, qui, qui l'ont vu, à la création, les, ou même les critiques, certains me disaient, ah, on, on l'entend tout entière. On l'entend complètement. Et souvent... Euh, voilà. Enfin. Ça, c'est sûr que le, le rapport que tu, tu fais passer de, pour le, les acteurs, leur façon de parler, d'ailleurs, c'est vrai pour Tchékov, mais c'est vrai aussi pour les pièces plus classiques, c'est saisissant de voir à quel point on est bouleversé quand on... Quand on entend ça, enfin moi, en tout cas, mais je, je sais que je ne suis pas la seule. à Chaque fois, été touchée très profondément. Vous donnez une nouvelle traduction de oui. la pièce. Je me suis demandé pourquoi, bah, parce que <laughs> étant donné que la première n'a mmh. pas été faite par n'importe qui, puis qu'elle était de vitesse. Ah non, ce n'est pas la première. Ah non, plus enfin, la dernière. Le... La dernière. Non, non, une, non, non. Plus. Enfin, oh une, non, non, c'est Markovitch qu dans... qui, qui en a fait une très, très forte. Il y a de très belles traductions avec Elsa et Triolet. Voilà. Enfin, toutes les traductions sont excellentes. Ah, voilà. Euh, donc, Moi, comparé celle de Vitesse à celle de. Et oui, celle, de, celle de Vitesse et... est formidable. Vous vous demandé pourquoi Mais justement, c'était. C'était intéressant de, de demander à Gérard Vajemann, oui, toujours qui écrit mais... magnifiquement, mmh. de, de travailler avec moi sur, ce, sur, sur cette mouette. Et ça, ça l'intéressait beaucoup. Il, a, il avait traduit déjà pour moi une pièce que j'avais montée, l'anime de Liguane euh, de mm -hmm. Tennessee Williams. Il a, tra il a traduit aussi euh, avec une, une amie, Jacqueline Lichtenstein, euh, Angels in America. Donc voilà. La, la, Vous êtes complice. Je... complices Voilà, tout à fait. Mais, mais peut-être que <laughs> tu peux nous dire un mot quand même, parce que tu as participé à cette. Euh... Oui, parce que je, je connais un peu le russe. Voilà. Et donc euh, c'était un bonheur pour moi de. de. Bah, de l'épater en. <laughs> <laughs> en disant un peu le russe, comme ça. Mmh. Et donc, euh, on, on cherchait des choses très, très. <laughs> une immense simplicité, quoi. Enfin, voilà. Et, et parfois, euh, dans euh, Markovitch, on trouvait qu'il y avait comme ça et mmh. des choses un peu un peu, enfin, voilà, peu dépose, on dirait, voilà, un des peu. petites des pauses, enfin un ah peu hein. poseur, comme ça. Mmh. Mais cela dit, il fait un travail extraordinaire la plupart du temps. Alors voilà, on, on, on s'appuyait sur les anciennes les, les traductions habituelles et puis on, en même temps, on, on, on a avancé Et ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, les critiques ne disent jamais un mot sur les traducteurs. C'est insupportable parce que c'est un travail considérable, sûr, et très Lausanne. important. Bien sûr. Et là, ils, ils, dites la, la, enfin, ils ont admiré la traduction de Gérard Wageman. J'étais alors soufflé. Alors peut-être ah. que, puisque tu disais épaté, moi je, je pense que pour ceux qui veulent épater il faut qu'ils se précipitent pour aller voir la pièce. Mais je t'associerai volontiers quand même à cette traduction avec Gérard. Donc Gérard et Brigitte qui, qui ont complices oui, de, de longue date. Voilà, merci euh, Brigitte Vachman d'être, euh, Jacques Vachman d'être venu nous parler de, de la mouette de, de Tchékov. Notre émission se termine et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous euh, samedi prochain à 18h30.